Nous sommes ici à Millau, sur le Causse Noir, au lieu du parapentisme et du deltaplane. C'est l'endroit que nous avons choisi pour venir vous parler, ici, de la Scandinavie. Dans cet endroit grandiose qui ressemble pas mal à ce que l'on peut trouver dans les pays du Nord. Comme vous, la Scandinavie nous a fait rêver. Nous avions même prévu d'aller jusqu'au Cap Nord. Malheureusement, la tournure qu'a pris notre voyage ne nous a pas permis de monter aussi loin. Néanmoins, ça nous a permis de faire nos premiers pas dans ces pays du Nord, dans cette Scandinavie totalement inconnue pour nous. Et nous allons vous dresser une quinzaine de conseils qui vont être assez précieux et, si vous restez jusqu'à la fin, vont vous permettre d'économiser quelques précieux euros. Commençons par les autoroutes. Les autoroutes sont globalement gratuites, sauf pour les passages des grands ponts. Nous vous conseillons de prendre vos tickets pour les passages des grands ponts en ligne. Ils vont vous coûter un petit peu moins cher et en plus, ça vous évitera de faire la queue, principalement sur le pont qui vous amène du Danemark jusqu'à la Suède. Notre conseil numéro 2 concerne donc l'argent. Soyez prudents en Scandinavie, car non, les Scandinaves ne sont pas passés à l'euro. Et la couronne danoise, par exemple, vous coûtera sur chacune de vos transactions par carte bancaire 3,75% en moyenne. Il est donc plus prudent de retirer de l'argent liquide plutôt que de payer en carte bleue. Ce qui peut avoir un impact important sur le coût de vos vacances. Pour la Suède, par exemple, il n'y a pas de taxe sur les transactions en devises étrangères et chaque retrait vous coûtera seulement 1 euro. Pour la Norvège, c'est encore différent. Vous paierez de toute façon pour chaque transaction 2,30% de taxe sur votre transaction avec un minimum de 1 euro par transaction. Donc vous voyez que chaque pays a sa réglementation et ses normes bancaires. La couronne suédoise, la couronne danoise et la couronne norvégienne sont toutes différentes. Il faut retenir une chose, pensez autant que possible à payer en liquide avec l'argent local. Vous pourrez partout payer en euros, mais sachez néanmoins que à chaque fois que vous allez payer en euros, vous allez payer le prix fort du change et le prix arrondi au chiffre supérieur dans le tarif qui vous est proposé. Par exemple, un souvenir que vous allez vouloir acheter qui coûte 9 couronnes 50, on va vous l'arrondir à 10 couronnes et en plus, on va vous faire le change au taux supérieur. Donc vous allez perdre sur les deux tableaux. Notre troisième conseil concerne la langue. Si comme nous, vous n'êtes pas familier des langues d'origine germanique ou des langues du Grand Nord, rassurez-vous, tout le monde parle anglais, mais me direz-vous, vous n'avez peut-être pas de grandes facultés en anglais ou votre anglais est peut-être un petit peu lointain. Néanmoins, il est assez facile de pouvoir discuter avec les gens. Et puis vous allez trouver un allié particulièrement sympa, c'est votre téléphone dans lequel vous allez pouvoir aller sur Internet et trouver un dictionnaire qui s'appelle Glossby. Alors, évidemment, ça ne va pas vous permettre de parler du jour au lendemain une langue scandinave, mais par contre, ça va vous permettre de pouvoir indiquer aux gens ce que vous cherchez ou de pouvoir, dans les magasins, lire des étiquettes, des affiches, ce qui va vous permettre de toute façon de pouvoir vous orienter et de pouvoir comprendre ce qui se passe autour de vous. Point numéro 4 que nous allons aborder, c'est la nourriture. Sachez que les Scandinaves ne se nourrissent pas du tout de la même manière que nous. En gros, si vous avez rêvé d'une petite auberge au fond d'un fjord, vous allez en trouver très peu. Bien souvent, ça ne sera ouvert que le midi et c'est relativement cher, pas très bon. Sinon, dans les grandes villes, vous avez plein de restaurants gastronomiques. La grande cuisine marche très très bien. Mais pour ce qui est de ce qui nous concerne, c'est-à-dire le voyage, vous allez être un petit peu déçu. À savoir que il y a très peu, voire pas de boulangerie. On trouve que du pain sous diverses manières que l'on connaît chez nous sous la forme des Vasa, par exemple, pour ne pas les citer. Mais c'est une marque parmi tant d'autres. C'est ce qui va constituer un petit peu la base de la nourriture, que ça va servir à faire des tartines. Alors, il y a des pains ronds, il y a des pains secs, il y a des pains un peu plus moelleux. Mais grosso modo, ça va être des espèces de wraps, des espèces de tartines dans lesquelles on va rentrer de la charcuterie industrielle, dans lesquelles on va rentrer de la nourriture en tube, je vous assure.
de la nourriture en tube que l'on va tartiner comme ça, que l'on va mettre sur des pains divers. Ça va être des crudités, mais c'est des crudités importées. Là-bas, il n'y a que très très peu de culture, donc tout est importé. Ça va être principalement pour les plats chauds, des pommes de terre, beaucoup de pommes de terre, de la crème fraîche, et puis des boulettes de viande, des choses comme ça. Mais rien de très fin, rien de très sympa. On va pas trouver du saumon à tous les repas, on va en trouver un petit peu dans certains endroits, mais ça va pas faire partie des choses qu'on va voir, on va trouver plutôt du hareng ou des choses comme ça. Il y a quelque chose qu'on va retrouver partout en Scandinavie et qui est plutôt sympa, je parle pour la saison d'été, hein. C'est de la nourriture au bord des routes. C'est-à-dire que partout, les gens ont chez eux un petit peu des ruches, un petit peu des arbres fruitiers, des choses comme ça, ou des poules. Et sur le bord des routes, vous allez pouvoir trouver des petites maisonnettes dans lesquelles il y a des produits. Et vous allez simplement pouvoir vous arrêter et acheter un pot de miel, vous sortez votre argent, vous le mettez dans un pot qui est là, et le soir, les gens viennent récupérer leur argent et remettre des choses à l'intérieur. Donc faire ses courses, ça peut se dérouler parfaitement au bord des routes, comme ça, pour ramener des petits produits locaux qui seront frais et bio. Le cinquième point que je voulais aborder avec vous, je vais revenir sur le pain et sur les boulangeries. Grosso modo, sachez que vous allez trouver principalement des pains industriels dans les supérettes et vous allez trouver quelques boulangeries dont le pain est, comment dire, d'une qualité plutôt incertaine et plutôt très chère. En termes de pâtisserie, c'est un petit peu pareil. Les pâtisseries sont soit très sucrées, soit très peu sucrées. Et la pâtisserie que l'on va retrouver partout en Scandinavie s'appelle le cannelbullar. C'est une espèce de brioche à la cannelle et au sucre qui est, il faut le dire, agréable la première fois, mais on s'en lasse assez vite. Le sixième point que nous allons aborder, c'est le coût de la vie. Alors, est-ce que ça coûte cher d'aller en Scandinavie et de prendre ses vacances en Scandinavie? Eh bien, je vais vous surprendre, mais je serais tenté de dire que non. Globalement, à la période où nous y étions, c'est-à-dire en juillet-août, on peut dire que on n'a pas vu de grosses différences avec notre coût de la vie en France. C'est-à-dire que la nourriture, évidemment, on ne va pas manger dans les restaurants gastronomiques, évidemment, on ne va pas dépenser de l'argent à outrance. Et la nourriture, globalement, avec le taux de change, elle ressemble à peu près à ce que l'on a en France. Le gasoil, on l'a payé globalement beaucoup moins cher, puisqu'on l'a payé en moyenne 1,10€, 1,20€ à l'époque où il était chez nous à 1,45€, 1,49€. Donc on est parti vraiment en Scandinavie en ayant l'impression qu'on allait dépenser énormément d'argent, et ça n'a pas vraiment été le cas. Donc ce n'est pas le coût au kilomètre qui nous coûte cher, ce n'est pas le coût des autoroutes, puisque la plupart sont gratuites. Après, pour la Norvège, c'est un petit peu spécial, parce que il y a un système où il faut s'inscrire sur internet et on est facturé quelques mois plus tard, mais ça, c'est un autre débat. Grosso modo, ce qui coûte de l'argent sur la route, ce sont les transferts en bateau et les ponts, mais c'est pas aussi exorbitant que ce que l'on pourrait croire. Le problème, c'est que, par exemple, sur la Norvège, des transferts en bateau, il va y en avoir beaucoup. Alors, ce n'est pas des grosses sommes, c'est à chaque fois du 20€, par exemple, ou 20-30€ pour faire passer un camping-car de la taille d'une autre, c'est-à-dire 7,50 m. Voilà, on peut aussi contourner en passant par la route, on n'est pas non plus obligé de prendre tout le temps le ferry. Après, c'est juste une question de timing dans votre voyage. Autre point qu'il faut connaître, c'est sur les vins et alcools. Hormis au Danemark, où vous allez pouvoir en trouver encore un petit peu à des prix, on va dire, raisonnables, sur la Suède et la Norvège, si vous n'avez pas fait le plein de vos soutes avant de partir, vous allez être très surpris. On n'achète pas ni de vin ni d'alcool dans les supermarchés. C'est réservé à des organismes d'État, des magasins d'État, dans lesquels les prix vont totalement vous affoler. Premièrement, vous trouverez très peu de vins français.
Et pour vous donner un ordre d'idée, des vins bas de gamme comme la pelure d'oignon ou des choses comme ça coûtent en moyenne 40 euros. Je vous garantis que vous n'avez pas envie de mettre 40 euros dans une telle bouteille. On va trouver globalement des vins italiens, très peu de vins espagnols, très très peu de vins français et beaucoup de vins du Nouveau Monde, c'est-à-dire Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. À quand des vignes en Scandinavie? Avec le réchauffement climatique, ça pourrait peut-être bien arriver plus tôt que ce qu'on imagine. Le septième point que nous souhaitions aborder, c'est que faire avec des enfants en Scandinavie? Eh bien, par chance, sachez que la Scandinavie, c'est le pays d'accueil des familles. C'est l'endroit où l'on va pouvoir tout faire. Tout a été créé autour de la famille parents-enfants. D'ailleurs, les transports en commun sont gratuits pour les enfants. Les musées sont gratuits pour les enfants. Et même, dans la plupart des cas, les restaurants sont gratuits pour les enfants. Sachez que dans la plupart des expositions, des musées que vous irez visiter, il y a également des structures de jeux pour les enfants. Que vous soyez sur les bords de la mer du Nord ou de la mer Baltique, sachez que les plages ne sont jamais surchargées et que les enfants adorent s'y balader. Ce sont donc des activités qui, elles, ne vous coûtent rien. Par contre, pensez à emmener avec vous des cannes à pêche. Les cannes à pêche, c'est le truc qui va amuser les enfants, qui va amuser les grands. On jette une ligne à l'eau, là-bas, en 5 minutes, vous avez pris du poisson. Donc c'est vraiment un outil à ne pas oublier. Parce qu'il est ludique et puis surtout il va vous permettre aussi de faire des économies puisque vous allez pouvoir vous nourrir directement dans la mer. Parmi les choses sympas qu'il y a à faire au Danemark par exemple, il faut aller faire le Sand Sculpture Festival à Sundervig. C'est un endroit absolument fantastique. Il faut aller à Legoland. Legoland, c'est pas un endroit pour les enfants, c'est un endroit résolument fait pour la famille. Vous allez jouer avec vos enfants. Et vous ne repartirez pas avec des tonnes de Lego. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils coûtent à peu près 2 fois plus cher qu'en France. Donc vous n'allez absolument pas dépenser autre chose que ce qu'il y a à faire sur place. C'est un endroit qu'il faut aller visiter. Quand vous êtes à Copenhague, vous pouvez aller visiter Christiania si ça vous tente, si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler. Mais ce n'est pas l'endroit idéal pour les enfants. Préférez les jardins de Tivoli. Les jardins de Tivoli, c'est l'endroit qui a inspiré Walt Disney. C'est le plus grand et le plus vieux parc d'attractions d'Europe. C'est un endroit absolument fantastique où il faut prendre le temps d'aller se perdre, au moins pour retrouver son âme d'enfant. Arrêtez-vous dans les musées vikings comme celui de Trelleborg par exemple. Ce sont des endroits où vous allez apprendre une multitude de choses, vous allez avoir un regard sur l'histoire qui va vraiment vous emmener ailleurs et en plus il y a toujours des activités pour les enfants. En Suède, si vos enfants aiment les sports de glisse, allez visiter les skateparks. Il y en a une multitude dont le plus grand d'Europe se situe à Malmö. Et c'est un endroit absolument fantastique. On n'est pas dans des endroits qui sont craignos avec des tags partout. On est en Scandinavie, tout est propre, tout est droit. Donc vous pouvez y aller vraiment sans aucun souci. Nous sommes pour notre part restés sur la côte ouest de la Suède, mais il y a là aussi un tas de choses à voir, un tas de choses à faire. À Göteborg, allez voir également le parc de Lichtenberg. Nous n'y sommes pas allés, mais on en a entendu le plus grand bien. Pas très loin, il y a le musée des sculptures géantes à Pilane, un truc qu'il faut pas rater parce que vous allez en prendre plein les yeux. Les sculptures sont vraiment monumentales, il faut vraiment y aller. Plus vous allez monter vers le nord, allez voir les peintures rupestres de Tanum. Ça aussi, c'est un endroit fantastique. Il y a 4 sites, dont un avec un musée qui, encore une fois, est gratuit pour les enfants. C'est un endroit absolument génial où vous allez vraiment retrouver l'histoire des Vikings. Et surtout, il y a un ancien village, une ancienne garnison armée qui était établie là et vous allez pouvoir vous replonger dans cette histoire que l'on connaît finalement assez peu. De là, vous pourrez vous rendre à Grabstadt où vous allez pouvoir louer des canoës ou encore acheter du poisson frais ou du poisson fumé. La côte ouest de la Suède est un endroit magnifique. N'hésitez pas à y aller, vous allez y découvrir vraiment une multitude de choses. Quant à la Norvège, vous ne vous lasserez jamais des paysages, mais si vous allez à Oslo, vous allez voir, c'est une ville. Si vos enfants sont un peu grands, louez des trottinettes sur place et allez vous balader en trottinette. D'abord parce qu'il y a tout un tas de parcs et de jardins, et ensuite parce qu'il y a des choses assez amusantes comme la garde royale qui se promène au pas de l'oie en ville. C'est assez surprenant de voir encore ça. Les choses s'ouvrent à vous, allez visiter la ville.
Au niveau sport de glisse, c'est des choses que l'on peut pratiquer également quand on va en Scandinavie, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Par exemple, sur la côte ouest du Danemark, si vous êtes parapentiste, vous pourrez faire du vol de pente juste au-dessus des dunes. Vous allez pouvoir faire du kitesurf dans les vagues, toujours sur cette côte ouest. À Videsund, on a pu faire du wakeboard dans un parc où il y a un très beau cable park où il faut vraiment aller. Il y a un très joli spot de flat également à Ribobink, un petit peu plus au nord. Et il y a tout un tas de spots tout le long de la côte jusqu'à la pointe nord du Danemark. Nous, on a également réussi à faire du kite au sud de Copenhague, dans un endroit assez fantastique où tout est très surprenant. On a la piste de décollage de l'aéroport où il y a un avion qui décolle toutes les 2 minutes. C'est très spectaculaire, il vous passe juste au-dessus de la tête et nous on navigue dans 20 cm d'eau, une eau où vous avez besoin d'une combinaison légère ou d'un shorty. Oui, c'est étonnant, mais en Scandinavie, on meurt pas forcément de froid en été. Le point numéro 9 concerne le camping, et vous l'aurez compris, on n'est pas tous égaux devant le camping. Au Danemark, par exemple, utilisez l'appli Park4Night. On vous met tous les liens dans le blog de description, ne l'oubliez pas. Au Danemark, les autorités sont pas très très cool avec le camping sauvage. Donc, y a certains spots qui existent. Rappelez-vous qu'il faut toujours tout laisser clean derrière soi. L'astuce consiste à utiliser ce qu'on appelle le quick stop. Le camping au Danemark coûte en moyenne entre 45 et 65 euros par jour. Autant dire que c'est un vrai budget. Mais il y a une solution, c'est le quick stop. Le quick stop, vous arrivez au camping à partir de 18, 19, 20 heures, ça dépend des campings en fait. Sachant que le jour dure très longtemps. Et vous pouvez rester jusqu'à 10 heures le lendemain matin. Et vous ne payez que 20 euros alors que vous bénéficiez de l'accès à tout le camping. Ça, c'est une vraie bonne astuce qu'il faut utiliser, en tout cas pour la partie Danemark. Pour la partie Suède et Norvège, c'est un petit peu plus cool puisqu'il y a ce qu'on appelle le droit à la nature. Alors le droit à la nature, ça ne veut pas non plus dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Ça vous offre uniquement la possibilité de pouvoir dormir à peu près où bon vous semble dans la nature. Néanmoins, il ne s'agit pas de sortir tout son bazar, il ne s'agit pas d'établir un camp de base, il s'agit vraiment de s'arrêter, de dormir et de repartir, quitter l'endroit le lendemain et de laisser évidemment l'endroit nature tel que vous l'avez trouvé. Point numéro 10, où trouver du gaz? Ça, c'est un véritable problème. Partez de France avec vos bouteilles de gaz, en l'occurrence, dans la plupart des cas, vous êtes équipé de 2 bouteilles de gaz. Je vous conseille d'en prendre une troisième, on ne sait jamais. Le mieux, c'est quand même d'être équipé au GPL. C'est quand même la solution qui va vous permettre de mieux vous en sortir. Mais il y a une autre solution, c'est toujours en utilisant Park4Night, pensez que dedans, il y a des gens qui ont eu la bonne idée de rentrer les endroits où vous allez pouvoir soit recharger vos bouteilles, soit pouvoir échanger des bouteilles de gaz. Attention, les normes sont différentes des nôtres. Vous ne pourrez que très rarement trouver des bouteilles de gaz françaises. Le point numéro 11, c'est la météo. Que penser de la météo en Scandinavie? Eh bien, sachez que globalement, il ne fait pas froid, mais les nuits sont relativement fraîches. Et puis surtout, sachez que nous, on a eu énormément de chance, on a eu principalement du beau temps, mais à partir du 15 août, le temps commence réellement à changer. Et là, on commence à avoir de longues, très longues journées de pluie ou séries de journées de pluie. Donc prévoyez-le dans votre voyage, c'est un petit peu ce qui nous a fait rater le Cap Nord, c'est-à-dire que quand on est arrivé au moment où on s'est dit bon allez, on monte vers le Grand Nord, tous les gens qui redescendaient nous ont dit à partir du 15 août, c'est plus la peine, vous allez arriver là-haut, vous allez trouver que du brouillard et de la pluie, franchement ça vaut pas la peine. Alors forcément dans les commentaires on va voir des gens qui vont dire mais non c'est pas vrai, moi j'y suis monté après le 15 août, ça s'est bien passé, et c'est probablement vrai, mais grosso modo en Norvège après le 15 août il pleut. Point numéro 12, la publicité. En France, on a l'habitude
de regarder sur les bords de la route les panneaux qui vont nous indiquer où se trouve la zone commerciale, où se trouve le Auchan, le Carrefour, etc. Il n'y a pas tout ça en Scandinavie. Il n'y a pas de publicité. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de publicité, c'est qu'il n'y a pas de panneaux sur les routes, il n'y a pas de grosses devantures de magasins, il n'y a rien pour indiquer ce qui est un supermarché, un magasin de bricolage. Il n'y a aucun signe qui montre réellement à quel type de magasin on a affaire. La publicité n'est pas du tout appréciée dans les pays scandinaves. Donc il va falloir que vous appreniez à reconnaître les magasins, les noms des magasins, et que vous sachiez où les trouver. On s'y fait petit à petit, mais sachez que c'est assez surprenant de devoir se diriger comme ça à l'aveugle dans un pays qu'on ne connaît pas. Le point numéro 13 que nous allons voir ensemble, c'est la priorité sur les routes au vélo. Sachez, quand vous êtes en Scandinavie, que vous n'êtes jamais prioritaire sur le vélo, quel que soit le pays. Et principalement au Danemark, c'est un peu moins en Suède ou en Norvège, quoique, mais le vélo reste ultra prioritaire. C'est le moyen de locomotion à qui on accorde tous les droits. Quand vous arrivez sur un carrefour, sachez qu'il y a des pistes cyclables qui arrivent, qui sont prioritaires sur vous, quelle que soit la couleur du feu. D'ailleurs, il y a des feux et des panneaux de signalisation particuliers pour les cyclistes. Mais dans tous les cas, ils sont toujours prioritaires. Et si vous venez à effleurer ou à griller la priorité à un cycliste, vous serez pris à partie et vous serez, s'il y a de la police dans le coin, vous serez verbalisé quoi qu'il arrive. Le 14e point que l'on va aborder, c'est quels sont les types de gens que l'on va rencontrer. Vous ne serez pas très étonné si je vous dis que vous croiserez finalement assez peu de Français. La majorité du tourisme dans les pays du Nord sont principalement des Allemands, des Hollandais, des Flamands, des Suisses allemands. On va globalement rencontrer très peu de Français. Pourquoi ? Eh bien, parce que on ne parle qu'anglais en deuxième langue, mais principalement anglais de toute façon, et que les Français parlent assez peu l'anglais. Donc je pense que c'est l'une des premières raisons. Ensuite, les profils de gens que l'on va trouver, ben, c'est principalement des profs ou des gens plutôt intellectuels, des gens qui vont venir chercher vraiment de l'histoire, de la culture. Donc les gens que vous allez croiser globalement sont des gens qui viennent pour pratiquer de l'outdoor. Ce n'est pas des gens qui viennent pour aller bronzer sur la plage au soleil. C'est des gens qui sont là pour pratiquer des sports en extérieur, qui sont là pour se cultiver, qui sont vraiment là pour apprendre un pays. Le dernier point que nous voulions aborder, et non des moindres, c'est celui de votre permis de conduire. Sachez que dans les pays scandinaves, les excès de vitesse sont très fortement réprimandés. Le moindre radar où vous franchissez la zone rouge, c'est des PV de 800 euros qui arriveront chez vous dans 6 mois, mais qui vont arriver. Donc, la plupart des gens qui ont eu cette désagréable mésaventure, croyez-moi, ne sont pas prêts de s'y remettre. Mais de toute manière, vous allez vite vous rendre compte que les gens respectent scrupuleusement les limitations de vitesse, et pour cause. Rouler en Scandinavie est quelque chose de relativement contraignant. On parle chez nous de distance en termes de kilomètres. Dans les pays comme la Norvège, on parle de distance en termes de temps, car les vitesses sont souvent limitées entre 50 à 70 km/h, ce qui ne vous permet pas de faire énormément de kilomètres dans la journée. Et c'est bien pour ça que la plupart des gens montent au Cap Nord par la Suède, où ils peuvent prendre des autoroutes, et redescendent tranquillement par la Norvège. Nous, on a voulu expérimenter le sens inverse, et honnêtement, ça ne marche pas. À moins d'avoir beaucoup de temps, rouler en Norvège nécessite d'avoir du temps. Alors en conclusion, faut-il aller passer ses vacances en Scandinavie ? Nous, on dit oui, c'est une très belle expérience, c'est un très beau voyage, on y apprend une multitude de choses, et en plus, ce sont des pays qui sont très sécuritaires. Là-bas,
Quand quelque chose vous appartient, ça n'appartient qu'à vous. Personne ne viendra vous le prendre. Si vous oubliez votre portefeuille sur un banc, vous pouvez revenir 24 heures plus tard, il sera toujours sur le banc, ou au pire, au poste de police le plus proche. Mais personne n'aura fouillé dedans. Je ne parle pas évidemment des grandes villes. Il y a forcément des gens qui vont venir mettre en commentaire « Oh, c'est pas vrai !» Mais globalement, ce sont des pays qui sont super sécurisés et très, très, très agréables. Nous, en attendant, on va poursuivre notre route, on va peut-être aller s'envoler, un de ces quatre, avec un parapente ou un deltaplane. On va voir, on va en tout cas continuer à essayer de partager avec vous nos voyages, nos envies, les plus belles découvertes, et on vous dit à très bientôt.